c'est compact, c'est solide, toujours difficile de gagner contre eux, parce que c'est une équipe qui est très bien organisée défensivement. Voilà, qui met de l'engagement sans que ce soit une équipe qui dépasse les limites, mais c'est toujours assez engagé. Donc c'est une équipe qui est difficile à mettre hors de position en tout cas. Ouais, qui prétendent à la montée, légitimement à mon avis. Ils sont dans les temps pour monter, hein. Comme nous. Ouais, voilà, il y a 13-14 équipes aujourd'hui qui c'est très resserré, donc il n'y a rien de fait du tout. C'est important, c'est un bon challenge pour nous aussi, parce que Valenciennes, ça fait un moment qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Dans ce championnat, toutes les équipes sont à notre portée, c'est à nous de faire le maximum pour pouvoir gagner ce match. Ça dépend que de nous. On ne se fixe pas vraiment d'objectif, le but c'est de prendre, comme tout le monde le dit, match après match et gagner le plus possible. On ne se fixe pas d'objectif précis, mais le but c'est de gagner chaque match. Donc on commence par Valenciennes et ensuite on passera au prochain match. J'ai toujours l'habitude de me concentrer sur le match proprement dit, est-ce qu'on a à faire sur la tâche qu'on a à faire sur le jeu, donc ça change rien. Et nous, on n'a pas l'habitude de qu'il y ait des différences entre jouer à domicile ou à l'extérieur. Donc sur le fond, ça change pas grand-chose. Après voilà, c'est triste de voir un stade à huis clos. Mais une nouvelle fois, je me répète, je pense qu'il vaut mieux jouer que pas jouer. C'est un avantage pour l'équipe adverse, on ne peut pas dire autrement. On va pouvoir s'entendre entre nous, c'est bien ça. Mais ouais, c'est vrai que pour les équipes qui se déplacent, c'est plus facile. Bon, on a concédé quand même très très peu d'occasions depuis le début de saison et notamment le dernier match. Non, pour le moment on est solide défensivement. On est costaud. J'essaye d'être performant le plus possible déjà, d'aider mes partenaires, de se couvrir mutuellement avec Flo, que ce soit Flo ou Alidou de l'autre côté ou Hakim. Après, j'essaye d'être le plus performant possible. Si ça peut aider l'équipe, c'est le plus important. On est plutôt solide, je pense. Maintenant, il va falloir qu'on continue à être comme ça, continue à être concentré et à laisser du temps à nos offensives pour qu'ils puissent marquer. Notre but, c'est d'arrêter toutes les contre-attaques, toutes les attaques adverses. Donc, il faut qu'on continue comme ça et qu'on soit le plus solide possible.